Une chaleur de pute. Oh my god. Hello guys. Bon, je vous explique. Ça va faire bientôt un an que j'ai emménagé dans mon appartement. Et en gros, il me fallait absolument un nouveau rangement, genre une armoire, pour ranger des vêtements et des affaires, etc. Parce que j'avais juste récupéré ma commode de la Fabuleuse où j'ai pu ranger des vêtements en arrivant ici. Mais ça suffit pas. Il me fallait un autre truc. Sauf que j'avais pas envie d'une armoire un peu classique, etc. Alors, comme tout bon fan de séries américaines et de Disney Channel, j'ai acheté un casier américain. Et oui, comme dans les séries où ils ont leur casier, vous voyez, au lycée, tout genre. Vraiment, ça fait le même bruit quand ils s'énervaient et tout dans les séries. C'est un casier américain, oui, oui. Alors, en fait, je l'ai acheté sur le site Skloom. Donc, c'est pas un partenariat. Achat réel. Carte bleue, argent, oui. Un 7. Et donc là, vous vous dites, oui, mais pourquoi c'est gris, moche, on dirait vraiment un casier dans un hôpital psychiatrique. C'est quoi cette couleur, etc. En fait, à la base, il était blanc. Et je vous explique pourquoi maintenant il ressemble à ça. C'est que je l'ai peint. Comme vous le savez déjà, l'inspiration derrière ma chambre, j'aimerais que ce soit vraiment une loge. Une loge de star, une loge de Sharpay Evans, de High School Musical, de Hannah Montana, tout ce qui s'ensuit, les pacotis, des gays. Comme la porte, je l'ai peinte en rose avec une étoile que j'ai dessinée moi-même, j'ai pas trop d'aide. Pour moi, ça c'est vraiment l'entrée de la loge, en mode c'est la loge de Sharpay, il faut pas la déranger, etc. Pour aller dans la continuité de ça, mon idée c'était de avoir ce casier, donc... fait trop chaud! Mais on apprécie. On dit pas, non, pardon. Il y a beaucoup de nuages aujourd'hui. Bref. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on rentre dans la loge et qu'on soit un peu dans cet univers années 2000. Il y a des éléments que je vais mettre qui vont rappeler un peu Phénomène Raven, sa chambre. Et du coup, mon père, il m'a dit, c'est marrant, tu veux peindre ton casier avec la peinture que t'as utilisée pour ta porte. Parce que oui, ça va être exactement le même rose. Et le problème, c'est que c'est du fer. Donc il a fallu que j'utilise une sous-couche. Donc là, vous vous dites, ok, c'est hyper sympa, l'idée est cool, ton custom, là, tu dois juste le peindre en rose et c'est fini. Mais non, je suis Spark Days, j'aime pas faire les choses simplement. Je veux vraiment que ce soit une véritable œuvre d'art. Donc j'ai acheté cette bombe lacrymogène chrome métallisée parce que une fois que ce sera rose, vu que la peinture est plutôt mate, j'aimerais quelques petits effets, en fait, avec le spray un peu en mode genre... abîmé, mais slay, genre, ça brille et tout. Je remets la bombe au frais parce qu'il fait trop chaud et ça peut exploser. S'il y a bien une bombe qui a besoin de fraîcheur, ici c'est moi. Anyways, pardon, j'entends des voix des fois. Il est quelle heure là? Putain, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Il est exactement 11h40. 11h40. J'ai rendez-vous à 12h30. Est-ce qu'on commence à faire un côté au moins? Faut savoir que moi j'ai très peur à chaque fois. La peinture ça me terrifie. Genre je suis toujours en mode je stresse, je suis en mode vite ça va sécher, il faut faire ça maintenant. Enfin bref, toutes les épreuves qui... Vous êtes pas droit là non? Aïe! Oui donc ça me stresse et tout blablabla. Ça marche! Les vrais fans de Spark Days ont pu suivre le début des travaux de ce casier-là sur Snapchat. Oui, oui, pour ceux qui veulent rejoindre l'aventure, je vous mets mon snap juste ici parce que je snappais beaucoup quand j'étais jeune et je reviens. Ouais, ouais, bah, faut bien payer le loyer, quoi. Oh my god! Ah, she's alive! Ok, 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 j'ai trop peur. J'ai trop peur, là, faut qu'on arrête de faire les combinaisons. J'ai trop peur. Vous voyez le... dans les Teletubbies, quand il y avait du vomi rose comme ça et l'aspirateur était obligé de tout avaler. Ça me tue, bah ça me dépend ça. Oh my god, j'ai trop peur guys, j'aime pas ça. J'abandonne.
Girl, you walk like a bitch. J'ai trop peur, mais en vrai, je l'ai déjà fait une fois. Vous êtes prêts? Ah. Oh. Ok, ok, ok. Et de toute façon, si c'est pas une forme, c'est pas grave. Si c'est un petit look un peu grunge, why not? Ok. Je vais sûrement être en retard chez le dentiste, mais OSEF, c'est plus important, c'est une priorité ça. Plus important que mes dents. Mes dents qui sont en train de périr, by the way, je suis sous antibiotiques là. Oh non, ça prend grave, j'adore. J'ai appris depuis que je suis enfant, parce que depuis que je suis enfant, je peins, je dessine, tout ça, blablabla, etc. Mais avant, je me torturais grave. Et j'ai appris à ne pas aimer la perfection. Genre, je vous dis une connerie, mais genre, bon, bien sûr, j'aime bien faire attention et tout. Mais genre, vous voyez, genre, s'il y a un petit bout, un truc comme ça, genre, un bout de ça qui reste. Avant, je pouvais m'énerver, je pouvais pleurer et tout, parce que j'étais en mode, c'est pas parfait. Mais maintenant, j'aime bien les défauts. Parce qu'il y a que Dieu qui est parfait. Et Miley Cyrus. Bah en fait j'aime bien le fait que derrière il y ait du gris comme ça, au moins même si c'est pas uniforme, ça donne un petit, vous voyez, un peu fondu, un peu gradandé. Vous êtes au courant que j'ai rencontré Katy Perry? Genre vraiment rencontré, je lui ai parlé et tout, j'ai fait une photo avec elle et tout, c'était magique. Vraiment de tout l'hiver. Il est midi 16. Putain. Bon, j'ai été chez le dentiste. Tout va bien. Là, j'ai fait une deuxième couche sur mon casier. Donc là, j'aime trop. J'aime trop le rose. J'aime bien que ce soit pas uniforme. J'adore Jaja. J'aime bien Doudou. J'aime bien Hype. Il y a du rythme, il y a de la vitalité. Même si celui de Sharpe, il est sophistiqué. C'est l'inspi, mais il y a un mélange de un peu de tout. C'est un peu aussi très girly, Olivia Rodrigo, tout ça. Mais on va le rendre, finalement, Spark Dice. Là, comme vous voyez, il y a les poignets qui sont un peu dégueux, mais c'est pas grave. Et en fait, j'avais pour idée de faire des sur les poignets. Et que limite, comme je vais faire ça va couler un peu, mais c'est un mood. Un peu en mode tag et tout, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'on tente l'aventure? Ou est-ce que je ferme ma gueule? C'est vrai que j'ai trop peur parce que j'ai déjà vu un reportage d'une meuf où genre elle a fait et le truc il a explosé, genre elle était en mode. Wow, j'ai l'impression que je suis Subway Surfer. Hey. Ça me dégoûte. Oulala, mais faut aérer là, la voiture qui se balade chez moi là. Ça pue. Ok, ok. Genre, ok. Voilà, cool. C'est bien. Cool, cool, cool. Voilà, ça représente vraiment l'antre, genre. Ok, guys, je crois que j'aime trop. J'aime trop. C'est spontané, encore une fois, mais c'est très un nuage, les poignées, secrètes. Le fait que ça coule ici, mais pas là-bas, parce que j'aime pas quand c'est trop miroir. Et du coup, j'ai aussi appliqué sur les côtés. J'aurais passé ma vie dans ce magasin, genre je le connais par cœur, ça y est.
scène de crime. Jour 493 du custom de mon casier, JPP, mais normalement c'est bien la dernière étape. En fait, la peinture est mate et jusqu'ici ça me dérangeait pas, sauf qu'en faisant les sprays de chrome, ça a laissé un sort de petit dépôt noir qui fait que quand je touche, je sais pas si vous voyez, mais genre, bah ça fait des traces en gros. Et du coup, bah l'armoire elle est belle, mais elle est impraticable. Donc, j'ai acheté ce vernis brillant qu'on m'a recommandé chez Castorama. Je stresse trop. Oh putain. Moi, je crois trop, je vis dans un atelier d'artiste en fait. En fait, on dirait qu'il y a un problème si elle est là. J'aime trop. Je me suis jamais vu comme ça. Non, j'aime trop vraiment. Ah, je suis trop content. C'est hyper bon. J'ai plus de cheveux. Je suis choquée. J'ai plus de cheveux. Ah ouais. Ça fait 4 fois, elle recommence l'histoire. L'histoire, elle l'a expliqué au moins 5 fois à 5 personnes différentes. Elle est trop fière. T'es fière? Il y a mes amis en fait. Des longs métrages. Malif, faut se calmer. Mais t'étais là, t'as tempéré moi. Pourquoi tu peux? Pourquoi tu peux? Malif, c'est un petit chihuahua. C'est un petit chihuahua. Et après, on doit aller l'aider. Tu vois, ouais. Elle dit ok, bah vas-y, je vais ramener mon mec, tu vas voir. Ouais, grave. Elle bombe le temps. Le problème est que je n'ai pas de mec, j'ai que des amis. On est au 0KM dans l'Est. À Belfort. Ouais, on a vu le show de Gazo, j'ai beaucoup aimé. Je connaissais pas, mais j'aime bien. Daddy chocolat, genre. Immersion, genre. Festival inédit. Putain, par contre, c'est beau. Le sol, guys, il est tellement dur. Il est dur à pratiquer. On est au Moyen-Âge. J'ai grave une meuf de la prod. Mais elle est toujours là à la Montana du coin, genre. Que faire des interviews en plus? Aïcha backstage. Aïcha backstage.
pratique sur... C'est ça, j'ai dit. Maïli, aime-tu ce petit micro, elle a trop d'énergie. T'es quelqu'un dans le monde de la musique, toi? Bombaya. T'es dans le monde de la musique, toi? T'es dans le monde de la musique plus que moi, je crois. Non, je crois pas. Trois quarts des rappeurs que t'écoutes, c'est mes copains. Et réel, il y a du budget maintenant, ça a changé, hein. Il y a du budget. Pour récupérer les plans. Non, arrête. C'est un autre média, wesh. Vimous. Mais on sait, que prouver? Que prouver, en fait? T'as ça, toi? Est-ce que t'as ça, toi? T'as ça? Ça va. Let's go! Sacha! Oh my god! La gadou! C'est route! Il y a des gens qui pissent. Ah, il y a le foot! Hey! Allez, la France! Et le lac! Ah. Oh, wow. 200 000 euros. Il ressemble à ça le sel quand il n'y a pas de pollution. L'air est pur, mais mon nez toujours autant bouché. Beautiful. Bah les créateurs qui créatent, genre. J'espère que tu dies, hein, franchement. J'espère qu'il dies, hein. Dimitris, dis-moi ça en plus. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Maïli, mon rêve, elle se lance dans le rap et ça devient une rap star, genre. Qui, Maïli? Ouais. Ça pourrait être... On va répéter le show, voilà. Je viens avec ma team, là. On va faire les balances. Il y a toute la team du label, juste au fond. Et donc, voilà, je vous présente mes danseurs. Hi, I'm Paris, Paris Gobert. What? Make me. Oh, j'ai envie de souffler. What? Attends, mais ça fait ça d'être sur scène. Là, je peux tester un peu, genre. C'est terrifiant. C'est genre terrifying. Surtout, gardez tout pour vous. Si vous voulez récupérer le micro, venez le récupérer. Je vais au village mécène. Pitié, venez le récupérer. Depuis tout à l'heure, on fait notre vie, on parle, on dit que des conneries et elle a son micro sur elle. Oh, purée! C'est fermé! 19h. Je suis désolée si vous entendez toutes mes conneries. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Et le camp Kikiwaka. On dirait que c'est Disney Channel. C'est grave beau, wesh. Encore? Mais il y a beaucoup de péages ici, hein. Vraiment des péages. C'est incroyable. C'est son mec qui a fait toute la lumière. C'est son mec qui avait toute la lumière depuis début juin, 1er juin. Tous les jours, de 8h à 18h, il a fait la lumière de tous les festivals. J'ai rien compris. La lumière, c'est son mec qui a fait. Il est ingénieur lumière. Qui? Ça fait genre 45 jours, il travaille sur la lumière. Depuis le 1er juin, il vient tous les jours. Le mec de ta copine? Oui, le mec de ma copine. Qui t'a payé? Ma opine, elle est là. C'est qui ta copine? Ma opine. Ma opine. C'est ma opine. Abong. Abong. Hey. Ils sont créatifs dans l'Est. Nos festivals à Paris, ils font pas ça. Vous êtes trop créatifs ici. Ça se trouve, c'est tellement problématique. Ça se trouve, c'est quelqu'un, genre. Oui. Historique, hein. Celui qui a découvert Belfort. Ça se voit, c'est genre la statue mythique. Faites attention, vous dites, je vous rappelle, il y a toujours le micro. Oh, mais non, on va boire. On va boire, on va boire. On va boire. Oh putain, mais le bar, il est tout là-bas, j'aime trop. J'avais oublié. On va au bar, tout cela. Vas-y, moi, laisse-moi manger, non? Vas-y, vas-y. Mais en mode, je lui avais dit de venir. C'est Maluma ou pas? Mais Alex, il s'est réveillé quand il y a pas la chance. Parce qu'en fait, on avait prévu de venir dimanche. Maïli, la petite cousine. Je suis choqué. Vous avez vu ces créateurs de contenu? C'est beau. Tout à l'heure, elle nous a servi les verres. Maïli, elle a dit, tu veux pas qu'on les double? Tellement la ration était si minime. Ah ouais, j'ai dit doubler. Hein. Et frère, même doublé, le verre, il était même pas plein. 21h50. Oh, la table. Putain, il y a une table. Garde la table. Tu veux quoi? Non, mais tu es, ramène ton bracelet. Non, mais il est malade. Hé, hey, Alex, regarde. Chacun son tour. Hé, hey, ramène ton bracelet. Regarde comment il bouge ses fesses. C'est 70 heures. Oh, il y a rien de bon. Ramène ton bracelet. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'on pourra? Est-ce que non. Ouais. Non, voilà. Comme ça, trois, mais doublé. Ah, doublé? Ouais, trois doublés. Et la facture sera intense. C'est là, la facture. Il n'y a pas à le prendre en otage. La discorde de confiance. C'est les hommes qui payent. C'est ma carte de crédit. Ils arrivent. C'est
passe ma carte de crédit, regardez où ça se passe. Ah, tu te parles depuis tout à l'heure? Oui, j'entends. T'as dit oui, c'est pas moi, c'est Alex Goyen qui dit. Ah, pas du tout. Pas la prod. Pas la prod de IRL. Alors attendez, je recommence ce genre. Non mais elle a été chercher le bracelet à Alex juste là-bas. Il lui reste 11 balles, miskin. C'est ça. Miskin. Alex, il te reste 50 balles, bébé. C'est doublé ça? Mais tout à l'heure j'ai doublé, c'était là. Oh. Attendez, t'étais où? Mais faut quoi doubler? Ici. Mais la dose, c'est doublé. Non mais c'est, je voulais doubler Red Bull, doubler vodka. Carrément. Mais oui. Ah oui, oui, oui. Pour ça, ça. On a payé quadruple. Faut quadrupler. Tiens, il te reste 5 euros. Arrête de mentir. Ça c'est quoi? C'est combien ça? Bah je sais pas. 11,80, je vais aller où avec 11,80 moi? Elle t'a pillé! Mais frère! C'est parce qu'ils nous ont payé. Tu m'as berné! Tu accuses directement l'asiatique! Mais comment ça se fait? J'ai 70 euros, j'ai 11 euros dans ma carte pour acheter 3 boissons, qu'est-ce que tu me racontes? Mais tu mens, t'as mangé pendant qu'on était. Je n'ai pas mangé. Avant de nous retrouver, c'est sûr, t'as pris un petit à casse-croûte. T'as acheté quoi? T'as acheté un sac élevé ou quoi? C'est avec oh qui mon Dieu, c'est le péage! Imaginez, on paye à chaque fois qu'on passe. Mais oui, on paye pour passer. Mais oui, les gars, réfléchissez un peu. C'est le péage. C'est le péage. C'est trop bien, j'aime trop le festival. C'est trop une petite vibe. Genre. J'ai pris du temps à apprivoiser le terrain et tout, à comprendre un peu les gens et tout. Et en vrai, c'est trop une vibe, j'aime trop. En fait, j'aimerais trop donner mon bracelet, moi j'ai 40 balles. Vraiment l'enfant. Veuillez consommer avec modération, s'il vous plaît. Oh, vous nous dites quand vous rentrez? Oui. Ça se trouve, on sera arrivé. Vas-y, vas-y. C'est pour les caméras, le kicker et tout. C'est bon, assume. Hein. Vous nous laissez 40 balles, gars. Alex, c'est bon, on reste. On reste ici. Et on leur a donné tout notre argent, ils ont 50 balles. Chacun. Elle, toujours l'argent. Mais c'est le plus important. Salope. À boire, genre, à boire. Nouveau lieu débloqué, nouveau lieu débloqué dans la map. Bonsoir. Festival dans la forêt, dans la grande forêt. Hey, 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 hey. Le sol il est dur, j'ai hâte d'arriver au palais. Oh my god, le palais, le palais, le palais. Oh my god, c'est rose maintenant. Au potable! Ah, c'est là que je me rends compte que l'eau fait. Ah, mon rêve! Une dorée rare! Jean! Après, la soirée, elle est trop bien comme ça. C'est trop bien! C'est trop beau avec ça et tout. Oui, elle est bien. Pas de burger avec ça. À deux, ça. Il conduisait super bien. C'était trop bien le retour. C'était on a trop ri dans la voiture. On a tellement ri, on a écouté du Charlie XCX. Ouais, c'était trop bien. De ça, c'est quoi cette musique? De Charlie XCX. Ouais. C'est genre le feature. Mais c'est genre quoi? T'as déjà dormi? Ah oui, grave. Ouais, par contre, on a bien dormi, ouais. C'est tellement bon le porc.
Mais guys, on est vraiment dans le Wisconsin. En retard. Pas réveillé. Non mais tout le monde veut ma mort depuis ce matin là, c'est dur. Tu vas dormir dans la voiture. Marcus, je peux te demander un service s'il te plaît vite fait. Est-ce que je peux juste tourner ma story vite fait dans la voiture? Comme ça je l'envoie au client. Tu fais tout ce que tu veux ma vie, y'a pas de soucis. C'est les vacances mais... On travaille quand même. Il faut quand même travailler. Non mais oui, pas tout ça. C'est quoi la vie? Pas marché. Can you fermer the porte? Bah en fait non, parce qu'il faut montrer, genre elle est trop belle. On non mais ferme pour la charge. Ah oui, c'est vrai. Selon les tirs. Faut brancher la prise. Allez Tati, eh ah, c'est un téléphone. Et là ça charge. Qui t'a demandé? Mais je vais participer. Ah, mais qui a dit ça chargeait? Vous êtes sûr? Ça a pas fait. On va manger nous aussi. Nous aussi on va se recharger. Mais guys, mais c'est que pour les gens qui ont une Tesla, sinon vous n'êtes pas les bienvenus. Il y a des snacks et tout. Mais bienvenue en Amérique. C'est trop yes. Guys, pour patienter, c'est trop bien. Genre pour patienter, on a littéralement genre un petit sas perdu dans la campagne avec à manger. On peut faire une partie de Mario Kart pour patienter, genre. Bienvenue aux États-Unis, USA. J'ai l'impression qu'on est mort. Ça fonctionne vraiment. On est mort ou quoi? On dirait une université américaine. Mais gars, attendez, mais on est grave en RIA. Mais gars, on est en RIA. Bah, il parle anglais. Ah bon, heureusement, je suis. Et on est en RIA. Mais gars, je vous jure. On est en retraite là. Mais on est en retraite plus que spirituelle là. Mais on va rentrer du festival ici, on va bien dormir. Non, mais enfin, oui. Ouais, mais on dort aux Pays-Bas, c'est le problème. Mais gars, on dort aux Pays-Bas. Oui, ben. On est arrivé! Qu'est-ce qu'il y a, Kling Kling Kling? Mais c'est tout petit! On est à ce point pour rentrer là-dedans? Mais elle a dit il y a deux places de parking, c'est faux! Mais ils nous ont donné la mauvaise. Parce qu'on lui a dit il y a deux voitures, elle a dit oui, deux voitures. Après, faut lui dire d'aller déblayer ces arbres là sur mais la place. Oui, ça, c'est une place, hein! Non, mais je suis désolé! Et il lieu d'être chargé. Ils cherchent ma voiture où? Pourquoi tout le monde a sauf nous? Mais oui, ils sont cons ou quoi? C'est des casseroles. Ah, j'ai eu peur. Ça, c'est la jambe de loup. C'est quoi? Wow. C'est serré, mais c'est... on dirait un peu la pièce secrète, mais c'est sympa. Yes. La terrasse, elle est géniale. Je crois que vous rendez pas compte de ce qu'il y a en bas. Maman chérie. C'est à nous? Ricole. C'est à nous, ça? Ouais. Ah. Mais gage, la voiture, je peux la mettre. Oh, le salon et tout. On en fout, en bas. Oh. Bah là on peut rajouter un lit et tu peux dormir ici l'eau. Ouais. Tu te parles. Ok. Oh les vibes. Un sou qui est jacuzzi là. Et tout. Unique. J'aime bien mais j'aime pas en même temps. Je sais pas, non mais en vrai, vous mettez comment sur... Je pense que je vais m'attacher à elle. Faut que je développe le personnage mais je vais m'attacher. Mais le terrain, en vrai on parle trop mal, le terrain est trop... Oh, l'arbre et tout genre. Ma vie lit. En vrai on est là pour aller aux arbres, on est là juste pour dormir en vrai. C'est vrai. Guys, on est bien arrivé dans les Pays-Bas. Mais on va se reposer avec moi et ma team et toute la team du label qui est là pour m'accompagner. On se repose un peu parce que je performe pas tout de suite. Et vous qui loue, hein. C'est un homme Eng. Non mais tu vois, c'est trop chaud ou pas? Non, c'est très bien. Ah, ça fait du bien. Mets ta main, goûte. Oh là 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 là. Goûte. Plus loin. Plus loin. T'as vu comment ça donne envie? Connasse, va. Ah, oh, wow. Et j'avoue c'est chaud par contre. Mais ah, c'est trop bien, c'est putain. C'est si chaud que ça. Ah, franchement, c'est parfait. T'as vu? C'est toi qui as cassé ça là, il est où le truc s'il te plaît?
En plus, c'est ta caution, hein, idiot. Guys, on dirait pas un sac Mugler. On dirait pas un sac Mugler. Attends, déjà, cadre bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Marcus met bien le cadre. Attends, mais, c'est... mais par contre, c'est charmé, hein. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on est là pour les ardentes, on a été cela et tout. Et pendant le trajet, on s'est fait plaisir. On a tout chargé. Ah, on a roulé. On a chauffé les sièges, on a mis la clim, même la clim du siège on l'a mise. On a tout mis. Ma vie, Lou. On a jamais fini l'histoire. Ouais, j'avoue. Mais c'est vrai. C'est quoi? Du coup, ça charge sur un truc d'iPhone. Attends le sauna. Guys. Hey. Hey. Mais tout ça, hein. Un match. Mais son éternuement, il était extrême droite. Je suis choqué. Marcus, ta skin, elle est care. Ouais. C'est vrai? C'est quoi que tu veux? Ah, tout. Tout. Tout, mais gifting. Je sais. Typologie herboyant. Tout. Waouh, j'avais oublié l'histoire. Du coup, on était en haut. Ah oui, la voiture, du coup, elle chante. Bah, on n'entend plus. Il faut enlever les jets. Il faut enlever les jets. Ah, enlever les jets. Ça fait des guillis sur le pied. Ok, bref, on n'a plus de batterie. Voilà. Ah oui, il y a zéro vivre dans la maison, donc on meurt de faim, de ça, parce qu'il fallait faire les courses, mais forcément, on n'y a pas pensé. Ouais. Et... Mais ils vont rien comprendre. Ouais. Mais du coup, là, juste tranquille, gars, on va mettre aux arts. Juste, on a, beaucoup de on a beaucoup de soucis, mais on est content d'être là. Ouais. C'est dommage. Et 37 degrés. De musique, genre. Si, si, peu, regarde. Mais gars, on n'a même pas de cerveau. Mais moi, je connais sur vous, hein. C'est celui-là, ah, il n'y a pas de savon là. Regarde s'il te plaît, on voit ça. Eh hey, mais les abus. Non, mais c'est quoi ça? C'est quoi pour ramener les draps aussi? Ah. Hein? Vous savez qui va aller tout à l'heure? La chance. Enfin, je veux venir. Mais le pro, t'es toujours loin de nous comme ça. Je ne sais pas que lui, il est jamais avec nous. Parce que moi, je make my business. Putain, oui, ça c'est la vie. Je vais recevoir de l'argent. Ah non, tu mettrais de musique. Oh, ah, Anna Montana. Après, faut couper. iCloud, c'est qui je paye? Ah ouais, en plus, le russe. Attends, va tomber. Mais... mais ça, c'est pas du savon? Si. Mais après, putain, c'est que moi, je vais prendre une douche au savon comme ça, genre. Mais moi, je vais faire sans savon. Ah, mais il y avait! Oui! Mais tu pouvais pas dire? Non, mais c'était quand même, je croyais que c'était moi que t'avais compris la blague! Putain, c'est beau! Okay. Guys, Wesley et moi, on a la même teinte de. Comment ça s'appelle? Hydravisor. Non, non. Si, si. C'est pas sûr. Le Hydravisor, c'est la crème. Et j'ai oublié qu'il y avait Lou avec lui! Mais c'est la maison des filles. Mais non, mais lui, il est drôle, hein. Eh, hey, Johan! Ouais. Ta gueule. Et. Oh! Mais. Le Big Baby, là. Oh, le Big Baby. Tiens, oublie pas, on t'a gardé quand t'étais encore à la crèche. Vraiment, réel. Ouais, c'est moi, on a babysité Lou quand il était jeune. Fun fact, c'est comme ça qu'on l'a rencontré. Ah non, le mot exact, c'est Hydravisor Uez. Bah, Hydravisor Uez. C'est ça le petit switch. Donc si vous voulez vous procurer Uez. Faut vous procurer Uez. Guys, hein. Vraiment, c'est trop bien, vraiment, je kiffe trop, je suis pas payé pour vous dire ça, c'est un produit offert. Ah, un petit cœur. Oui. Mais je sais bien. Après, par contre, je me suis hydraté, hein, j'ai mis de la crème, j'ai mis du sérum. C'est ce que je pose, comme... c'est ça la question que je pose. Putain, ça va pas du tout là. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, ça va pas? Non, mais si, ça va, mais ça va pas. Mais pourquoi? En fait, c'est parce que je me regarde trop de près, il faut jamais faire ça. Bah oui! Je suis quelqu'un de toi qui dans les mêmes dos. Bon, en soi, il y en a combien, comme un iPhone, là, ça, il reste 14 minutes, là, ça va. 14 minutes, on a combien de pourcents? Ah putain, il faut... Je crois même pas quand même. Mais oui, oh my god. Enfin, guys, quel long périple, c'était long, ce film.
incroyable. Si, si. C'est un maïs ou c'est un autre? Je suis la carte! Sympa? La vie est dure! Mais moi, en vrai, je vais me doucher tout ça et tout, et je te rappelle. Je m'habille, je me douche et tout. J'avais juste une question. On n'a pas mangé. Dis dans le groupe ce que tu veux, toi. Va, regarde dans le groupe. Demande ce que tu veux. Je vais dire jus de pomme, s'il te plaît. Moi, j'envoie au PV. Hein. Ouais, un truc de saumon juste. Un, deux. C'est vraiment un connard. Tu m'as dit deux secondes, un, deux. Mais non, c'est pas l'oiseau. Moi, je vais à Long Island. Ouais, I tried. Joanne. Mais ta poêle, elle est même pas sur le bon feu. C'est toi qui l'as enlevé. Non, il y a pas. Oh le fou, ça me fait chier. Oh, ouais, t'es dégueulasse là. C'est quoi la priorité de ma vie? Il garde le sourire quand même. Il est tombé? On attend Doja et Doja. Doja que je vois plus que ma mère. Bitch! Doja que j'ai vu en live à Global Citizen, à Balmain, à Kenzo, oui, à Bercy, à LA et là aux Ardentes. Bien sûr, je prouve. Maybe I need some space. I wanna show you up. 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 I wan
Mais regardez les loups-garous, on est là. Vraiment, les loups sont de sortie. J'allais le village standard. Oh, le village. Ah, grignoti, grignota. Eh, c'est la gomèse. Mais, le village, tout le monde sera déjà malade. Tout le monde va être enrhumé là. Mais oui. Ceux qui sont au camping. Mais déjà. C'est chaud. Hein. Mais vraiment, ceux qui sont au camping. Ça fait que deux jours. Là, ils étaient en mode. Ils, vous voyez tout ce qu'on a fait, nous, dans le confort et tout. Et ils étaient en mode. Non mais c'est là, pas possible. Déjà, là ils sont dans la tente, ils sont en mode putain. Non ils sont en mode ah. Il y a la terre dans la tente et tout, quand c'est chaud. Mon rêve de faire un tour. Vas-y. Concours de gêne. Je peux gêner toute la maison. Vas-y, la gêne. Ah ouais, vraiment ouais. Je vais le gêner, attention. Ouais. Ok. Oh ouais, t'as gagné. T'as gagné de coup. La vie t'as gagné. C'est bon, c'est ok. Ah c'est pas la même. Oh putain! Ok. Ouais, j'ai froid. Welcome back. Ah, c'est un film vers nous? Oui. J'ai bien vu. Je veux que tu te débarrasses. Ouais, tu es bien ou les gars? Moi, les chaussures, je les jette. Hein. Il y a moyen de les laver, tu penses? Moi, j'ai trop la flemme, les gars. Bah, nous, on a mis. Devant la chambre, c'est bien couvert le rotu. Putain, j'ai froid et tout. Toujours les ordres cette année, je sais pas. Wouah, j'ai froid. Et welcome back. Prends mes chaussures. Mais franchement, vous avez des choubidoux. Mais non, c'est bizarre. Ah mais Allez, va dormir, va dormir, va dormir. Me laisse tranquille. Va dormir. Je veux que me... Va dormir, va dormir. Hein? C'est le quatrième jour et on est toujours en vie. Oh my god, Dieu merci, on a failli mourir tous un par un. Mais on tient le coup. Et on est toujours aussi belles. Genre, j'ai d'elle là, je viens de coller ma wig. Je viens de refaire mes cheveux là. Hier on a vu Central Cee. Ce soir ça va être Nicki Minaj. Nicki Minaj! C'est le dernier jour. Dieu merci, il fait un peu plus bon et meilleur. J'ai moins le nez bouché, tout ça. Les nerfs sont moins tendus dans la maison. Et voilà, ça va give, give, given. Partenariat rémunéré par Lou. Produit offert. Regardez Louis, ma façon d'être. Tu fais quoi, Lou? Sinon, j'avais celle-ci que je voulais passer. Elle est trop vibe. Aïe, aïe, aïe. Et ils vont tous me la voler. Non, mais je vais essayer. Bah oui. Voiture, Aris Dante. Je suis désolée. Ouais, j'ai vraiment rien contre elle, mais j'aime pas les gens qui textent que pour des services. J'étais fini. C'est le troisième jour, on va s'éclater. Aujourd'hui, il y a PLK, Mumi, Nicki Minaj, en vrai des vrais. C'est ok.
Elle est bien mignonne, mais 1000 heures de retard, tout ça. On a envie de danser là, on va voir Rumi. Filez ma sœur! Filez ma sœur! Filez ma! Hey! 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 Where's that? Très bien. Bye. Bisous, ma vie.